L'espace Schengen et la belle idée de libre circulation des personnes et des biens dans l'Union européenne, est-ce que c'est fini? L'Autriche, qui veut freiner l'entrée des migrants, annonce l'introduction prochaine de contrôles à 12 points de passage de ses frontières. Une mesure qui serait catastrophique pour l'économie, selon ce transporteur. Pour nous, qui sommes dans l'économie autrichienne du transport, dit Alexander Klaschka, le pire scénario serait une fermeture des frontières de Schengen. Ça nous coûterait plus de 8,2 millions d'euros chaque jour. Sur les 12 points de contrôle, 3 se situent à la frontière italienne, 7 sont frontaliers de la Slovénie et 2 de la Hongrie. La ministre autrichienne de l'Intérieur s'est rendue sur l'un de ces postes frontières qui doit être sécurisé. L'Autriche va imposer un quota journalier d'entrée de migrants et elle n'acceptera pas plus de 37 500 réfugiés en 2016 contre 90 000 en 2015.